du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, berger bienveillant et miséricordieux, soit avec vous. Le Seigneur nous appelle à témoigner avec courage de notre foi, de notre espérance et de notre charité. Reconnaissons que pour y parvenir, nous avons besoin de son soutien. Implorons sa miséricorde. Quand nous manquons de foi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Quand nous manquons d'espérance, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand nous manquons d'amour, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï, et ils y établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, et je vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Parole du Seigneur. Amen.
lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'imposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu? En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie? Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Afin d'étendre son action salvifique et pour combler l'attente des foules, l'évangéliste Matthieu
en ce 11e dimanche du temps ordinaire. A. Rapporte que Jésus s'est choisi 12 apôtres et leur donne ses instructions pour la mission. Avant tout, Matthieu souligne que la compassion de Jésus, expression de la tendresse de Dieu, est la source de la mission. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Ici, Jésus n'est pas affligé par la misère physique ou de la vie immorale du peuple, mais par l'absence de guide spirituel. Ainsi donc, le peuple de Dieu, démuni de guide spirituel, est dans une situation déplorable. Puis Matthieu nous rapporte cette parole de Jésus. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. La moisson désigne le rassemblement de l'humanité dans le royaume, déjà instauré par la prédication de l'Évangile. Or, cette moisson est abondante, c'est dire en langage parabolique que le temps est venu de sauver l'humanité pour la fin du monde. Face à l'immensité de la tâche, il est urgent d'engranger, de mettre à part et d'investir des élus. Pour ce travail, les ouvriers sont peu nombreux. Alors, incarnant les entrailles maternelles de Dieu, Jésus veut avoir des coopérateurs pour ne pas agir seul. Et puisque c'est Dieu, son Père, qui a l'initiative du salut définitif de l'humanité, c'est à lui qu'il faut demander des ouvriers pour réaliser son œuvre. Pour cela, Jésus, dans la perspective de la fin des temps, veut que ses disciples partent en grand nombre annoncer le royaume qui vient. Ainsi donc, il nous exhorte à agir par la prière sur le cœur de Dieu, le seul maître de la mission. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Aussi, dans le but de partager ses charismes et d'être pleinement associé à son ministère, d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité, et de proclamer l'avènement du royaume, Jésus convoque alors les 12 et les investit de son autorité. Ce nombre 12, de valeur symbolique, rappelle celui des tribus d'Israël. En instituant les 12, Jésus fait d'eux les fondateurs du nouvel Israël, les disciples immédiats et les envoyés officiels de sa mission. Ils reçoivent également le titre d'apôtre, c'est-à-dire des envoyés et des témoins officiels du Christ ressuscité. C'est bien là le signe évident que la mission de Jésus en Galilée anticipe et prépare la mission universelle de l'Église après Pâques.
Avant de commencer le discours apostolique de Jésus, l'évangéliste Matthieu nous confie la liste des 12 apôtres. Matthieu est le seul à faire mention de ceci. Le premier, Simon, nommé Pierre, voulant dire qu'il est désigné comme étant le chef du collège apostolique. Voilà pourquoi l'Église parle aisément aujourd'hui du successeur de Pierre, comme le primus inter pares, le premier entre ses pères, P-A-I-R-S, représenté par l'évêque de Rome ou le pontife romain, et notre pasteur universel, c'est bien le pape François. Et s'agit-il des autres apôtres? L'Église parle de la succession apostolique en se rapportant aux évêques qui ont la charge de guider le peuple saint de Dieu par cette devise « Sanctifier, enseigner et gouverner en communion avec le pontife romain, le successeur de Pierre. » Parmi ces 12 apôtres, nous pouvons découvrir à quel point Jésus privilégie la diversité des personnes dans son Église, malgré la fragilité de leur caractère. Matthieu le publicain, un douanier, collecteur d'impôts. Simon le zélote, un nationaliste juif favorable à la libération d'Israël par la lutte armée. Et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra, un traître. Sans oublier que Pierre fut également le premier à renier Jésus, son Seigneur. Voilà donc un modèle type de tolérance et de support mutuel dans la mission de l'Église à la suite de Jésus. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Au départ, pour respecter la volonté de Dieu qui fait Israël d'alors son domaine particulier parmi tous les peuples, la première lecture, et raviver chez son peuple le désir ardent de conversion, est délimité le champ d'apostolat des disciples. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez pas dans aucune ville des Samaritains. Il s'agirait donc ici d'éviter tout comportement opposé à Jésus et d'aller vers tous ceux qui ont refusé le royaume. Ensuite, comme Jésus, ils doivent s'occuper d'abord des brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus leur demande d'actualiser le royaume par des gestes salvifiques. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Enfin, pour prévenir la cupidité ou la corruption, Jésus fait cette recommandation. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Étant donné que les biens de Dieu sont gratuits,
et offert généreusement à tous le disciple missionnaire, motivé par un souci prophétique, doit se détacher de tout pour signifier la gratuité de Dieu dont il a la charge et le devoir de témoigner. Frères et sœurs bien-aimés, sachant combien Dieu nous aime et fait de nous des justes, il est bon de prier pour la vocation missionnaire. Et par rapport à la rareté des ouvriers, des disciples missionnaires dans l'Église d'aujourd'hui, qui de nous ose donc prier pour être personnellement apôtre, c'est-à-dire envoyé par Jésus en mission? Est-ce que je prie pour que je sois l'envoyé, le missionnaire pour la moisson de Dieu? Avec Jésus compatissant qui choisit des ouvriers pour la moisson et la mission de l'Église, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous a exhortés à prier son Père sans nous décourager, car il est bon et généreux. Présentons-lui nos demandes avec confiance. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour tous les membres de l'Église, peuple de prêtres et nation sainte, afin qu'ils soient toujours plus nombreux à témoigner du Christ et de son Évangile, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour tous les baptisés qui
exercent des fonctions particulières au sein de l'Église, afin qu'ils demeurent fidèles, heureux et courageux dans leur engagement. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour les populations aux prises avec la guerre, afin qu'elles gardent espoir de parvenir à trouver la paix, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour les pères dont c'est aujourd'hui la fête, afin qu'ils reçoivent de leur entourage tout l'amour qui leur revient, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles accueillent avec sérénité les changements et nouveautés qui s'offriront à elles, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Père, nous te remercions de nous rassembler en ton Église et de faire de nous des témoins de ton Fils et de son Évangile. Aide-nous à demeurer fidèles à ta parole et à faire preuve d'audace pour manifester ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits par le Christ. Notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.
Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous pouvons désormais, nous portons désormais ses noms glorieux, descendants choisis, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Biazé Malieri. Souviens-toi de Inédon Michel. Souviens-toi de Franck Désir. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu est notre Père et chaque papa doit se brancher, avoir le souci de ses enfants à l'image de Dieu, notre Père. Chantons ensemble cette prière que Jésus nous a mise. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Thank you.
Prions le Seigneur. Cette communion à ta mystère, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté 671 $. Un grand merci à tous. Pour vous appuyer dans vos prières, vous pouvez allumer des lampions dans l'église. $2 pour un petit lampion et $5 pour un gros lampion. Le prochain café communautaire aura lieu le 25 juin après la messe de 11 h. Au plaisir de vous voir à cette rencontre. C'est la fête des papas. Alors, à tous les papas ici présents et à tous les papas de la communauté, nous voulons dire bonne fête. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Un merci à tout un chacun. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.